Donc Patrick Bowen a un double intérêt, c'est qu'il est en même temps écrivain et en même temps urgentiste, et il se trouve donc en même temps en train d'écrire des horreurs et en train de les vivre, ce qui est quand même un endroit un peu particulier, n'est-ce pas? C'est ça. Et je crois que c'est vraiment un témoin privilégié de notre époque. Et tout d'abord, j'ai envie de dire, Patrick, comment vas-tu? Ben ça va, merci, c'est sympa de me demander. Merci bien. Ouais, ma vie, elle est un peu coupée en deux, comme sur l'image. Là, on a ma blouse avec mon stéléto, et puis là, mon côté obscur avec les bouquins. Et voilà, c'est le reflet de ma vie, la moitié en blanc et la Waouh, moitié en noir. super. Alors, vu qu'on ne voit pas bien ton bouquin, je voudrais quand même le montrer. C'est la dernière sortie de Patrick. Ça s'appelle L'heure du diable. Et c'est le troisième livre dans lequel on retrouve son personnage un peu sulfureux du chien, qui est un être diabolique. Tu peux nous parler un tout petit peu de ton livre, Patrick? C'est une trilogie. C'est une trilogie, mais chaque livre peut être lu indépendamment. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était de faire un suspense infernal en opposant deux mondes différents. Un monde qu'on n'a jamais vu, qui est celui des flics du métro, des réseaux ferrés, des flics qui travaillent dans les souterrains parisiens. Et donc ça existe vraiment. C'est une brigade qui s'appelle Évangile, et je suis allé en stage avec eux. J'ai appris plein de trucs sur leurs secrets, sur leur façon de travailler, et on les connaît pas du tout. C'est des flics qu'on connaît absolument pas. Et face à eux, j'ai placé un médecin urgentiste bien sombre, bien cramé, qui a des points communs avec moi, et les deux sont entraînés à chaque fois dans des enquêtes. Tantôt ils travaillent ensemble, tantôt ils sont en opposition, tantôt ils ont des ennuis. Voilà, et c'est une trilogie. Chaque livre a sa propre enquête, et puis il y a un grand méchant qui traverse, comme dans les séries télé, qui traverse les trois livres, et ce méchant, c'est le chien. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il va y avoir un quatrième volume? C'est pas prévu pour le moment parce que cette trilogie, je l'ai conçue d'emblée comme ça. Je l'ai imaginée en 2016. Le premier tome est sorti en 2017. Et j'avais imaginé de base de l'écrire comme ça, avec un développement particulier dans lequel on apprend les tenants et les aboutissants des différents personnages, comme une série télé en fait, dans laquelle à chaque fois l'intrigue se complexifie et on découvre une nouvelle couche. Parce que moi, évidemment, ce qui me plaît, bah, comme toi, c'est que les gens ne dorment pas en lisant des bouquins. Je suis un écrivain super flemmard, en vrai. Moi, il faut que dès la première page, je sois entraîné dans l'histoire. C'est super important. Et j'écris vraiment d'une façon qui permet aux gens flemmards de tourner, tourner, tourner sans arrêt les pages, parce que je leur tends un tas de choses trappes et que c'est plein d'énigmes, mes Alors, livres. est-ce que tu ressembles à ton personnage médecin? Alors ça, on pose vachement la question parce que il a un certain nombre de points communs avec moi. Oui, toujours. J'ai une façon un peu particulière, moi, d'écrire mes bouquins. C'est que je les vis un peu comme une expérience. J'ai vraiment une vie particulière puisque je suis médecin urgentiste et je suis confronté à un tas de trucs. Donc du coup, les gens me racontent des secrets. Avec moi, où je peux exagérer certains traits, mais oui, celui-là me ressemble particulièrement, notamment pour les différents vécus, parce que j'ai enquêté auprès des flics du métro, mais je suis aussi allé à l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. C'est notre FBI à nous. Et il est à Pontoise, c'est un vrai bunker, on ne peut pas rentrer dedans. Et toutes les grandes enquêtes qu'on voit à l'heure actuelle, que ce soit, enfin, toutes les grandes enquêtes criminelles en ce moment, elles sont gérées là-bas. Donc, moi j'ai accès à ça parce qu'il se trouve que je connais très bien la chef légiste qui est d'ailleurs dans l'histoire, qui est représentée, et puis l'équipe de légistes qui bosse là-bas. Et puis, donc ça me donne accès à des informations qui sont passionnantes sur les techniques, par exemple, d'autopsie, sur des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Et moi je peux les voir en direct. Donc tout ça, je le récupère. Ça fait partie de mon vécu de médecin, mais je le réinjecte bien sûr dans les histoires parce que ça, c'est passionnant à faire. Bon, il y a des. Et puis je raconte ça à ma mère et je le stresse un peu après. Je lui Quoi? fais peur.
Et puis après, je te le raconte et je te stresse, un peu, je te fais un peu peur avec mes trucs de légiste, parce qu'après, tu me dis, mais tu t'éclates à faire des autopsies. Mais de toute façon, c'est l'intérêt aussi de la littérature qui fait peur, c'est que ça permet de sortir toute l'énergie dark. C'est quand tu t'aperçois qu'il y a des choses encore pires dans le livre que dans la réalité, que tu relativises la réalité. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a un tas de choses aussi qui sont. Toi comme moi, on puise énormément dans le réel, hein, puisque que ce soit dans tes histoires, tu rassembles énormément d'informations. Ça, c'est vraiment un des trucs sur lesquels on s'est rendu compte. Mais on adore piocher dans le réel et le réinjecter dans les histoires. Moi, je pense vraiment qu'on a beaucoup besoin notamment d'informations, de techniques, de sciences, par exemple, tout ce qui est les enquêtes criminelles, c'est vachement important de récupérer les infos. Mais en plus des infos, par exemple, moi, les gendarmes, j'ai travaillé avec la cellule d'investigation criminelle d'Amiens, et puis j'ai un pote gendarme qui est donc au cœur des choses, et de temps en temps, il me dit, non, mais ça, sois sympa, ne le dis pas, parce que nous, on galère. Tu vois, si jamais après les méchants ils sont au courant qu'il y a ce genre de technique, ça nous aide pas parce qu'ils vont effacer leurs traces plus facilement. Donc voilà. Et on récupère des infos du réel pour nourrir les histoires. C'est très important pour tirer le lecteur à Alors, l'intérieur. je vais t'arrêter un peu parce que je vois des messages qui me disent qu'ils n'entendent pas bien. Juste une question. Est-ce que vous pouvez me mettre dans les. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des coupures de l'invité? Un, deux, trois. Est-ce que mon. Alors. Bernard, quand vous avez de tels invités, il faut prévenir avant pour qu'on le sache et qu'on ne rate pas ça. Bon, ça, d'accord. Attends. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien l'invité, juste? Moi, oui. Bon, il y a une personne qui entend bien, c'est Léventia, Laura. Et les autres, a priori, il y a parfois, oui, coupure de l'invité. Est-ce que, alors, je pose une question. Est-ce que la coupure, ne te mets pas seul à l'image, ça coupe. Alors, est-ce que vous l'entendez bien quand on a l'image de l'invité, là, celle-là? Est-ce que là, vous l'entendez bien? Oui, oui. Est-ce que vous entendez bien quand on y est tous les deux? Là, ça fonctionne. OK. Bon, ben, avertissez-moi si ça ne va pas. C'est dommage, ça coupe un tout petit peu, mais je vais quand même faire le lien. Donc, et dans ton travail de médecin, comment ça se passe actuellement? C'est chaud. Dans mon travail actuellement, c'est différent de la première fois. La première vague, sincèrement, c'était un peu dingue. C'était un peu dingue parce qu'on a tous eu l'impression qu'il y avait Goya et qu'on ne savait pas de quoi demain allait être fait. Donc moi, par exemple, dans l'endroit où je bosse, j'avais monté un staff virtuel en Zoom, dans lequel on avait une quinzaine de spécialistes qui étaient au sein de notre établissement, mais aussi dans d'autres établissements. On correspondait avec des Américains, avec des Japonais, avec des Coréens, et on se donnait des infos en temps réel, et on avait vraiment l'impression de pas vivre une guerre atomique, hein, mais un peu quand même, hein. On était à l'affût de l'information, et sans arrêt, les nouvelles études, les nouvelles infos tombaient, on était un peu dans un film. Les 15 premiers jours, il y a une impression, pour dire ça, c'est la déréalisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est étranger à soi-même, hors de son corps. Moi, le fait d'aller bosser, quand j'allais bosser, j'habite à Saint-Pré, qui est une petite bourgade que je décris d'ailleurs dans l'heure du diable, qui est au sommet de la forêt de Montmorency. Donc, il y a la forêt derrière moi et je traverse la forêt pour aller bosser. Lorsque je quittais ma maison, il n'y avait personne dehors. J'avais des renards qui traversaient devant ma voiture. Je traversais la forêt, il n'y avait absolument personne. J'ai failli manger un sanglier ou un cerf en pleine journée, alors que ça ne m'est jamais arrivé. Et après, je rentrais dans un univers dans lequel on bossait comme des dingues pendant un certain temps, puisque c'était mon univers de garde. Et ensuite, je ressortais et j'étais à nouveau dans le désert. Donc, l'alternance. Mode zombie, lumière blanche, beaucoup de monde, puis je sors et c'est le désert absolu et je rentre chez moi, c'était vraiment dingue. Donc ça, c'était voilà, le premier confinement. Après, on a passé tout ça, c'était bien, on a réussi à reprendre une vie normale. Le deuxième confinement, là, maintenant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la vie reste relativement la même qu'en dehors du confinement, on a tous une activité extérieure. Par contre, je trouve ça, moi, personnellement, beaucoup plus pesant. Donc je ne sais pas si vous déprimez,
Mais en tout cas, nous, c'est un peu difficile parce que c'est le fait d'avoir une absence de perspective à long terme qui fait que, par exemple, on n'est plus, on n'essaye plus d'affirmer les choses. Les gens ne se bagarrent plus pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Tout le monde a été vraiment super échaudé. Donc, on laisse un peu tomber ça et on attend. Il faut donner du temps au temps. Mais ça a un poids, tout ça. Donc, mon avis médical, c'est que on a vraiment besoin de se retrouver les uns les autres, de se parler comme on le fait maintenant. On a besoin tous les jours. Moi, ma philosophie de la vie, c'est tous les jours. J'ai aucun plan à long terme. Je ne vois jamais rien à plus de 1 à 3 mois. Quoi. Voilà, ma vie est toujours. Mais ça, c'est une déformation d'urgentiste. Hein. Mais encore plus qu'avant, je suis vraiment sur le fait de prendre un petit bonheur. Chaque jour, il me faut un petit truc. Voilà, un bon café, un bon gâteau, une bonne série, et on recommence. Et je cours sur un tapis, une bonne série, et on recommence. Et chaque jour, il faut prendre le truc, essayer de rigoler tous les jours, boire un coup, voilà. Et je suis que sur ça, et il faut s'accrocher à ça parce que le manque de perspective est pesant. Alors, je ne sais pas comment tu le vis, toi, par exemple, Bernard, comment tu le Ben, ressens? je crois que tu as donné les bonnes réponses. C'est qu'il faut se débrouiller pour être heureux, ne serait-ce que pour être en bonne santé. Si on commence à déprimer, on va sombrer. Moi, ma seule thérapie, c'est le sport. C'est-à-dire, je fais tous les jours 1 heure de vélo d'appartement en regardant une série. Et donc, je suis sauvé par les séries. Et là, actuellement, je regarde The Crown. Et qu'est-ce que tu regardes, toi, d'ailleurs? Sympa. Alors moi, j'ai trouvé une série feel good sur laquelle je suis retombé et qui s'appelle Cobra Oui. Kai. Et Cobra Kai, c'est la suite Karate Kid. J'adore ça. Et franchement, les gars, si vous voulez voir une série feel good, allez-y. Hein, parce que on se rappelle les années 80, donc bah, moi, c'est ma jeunesse, quoi. C'est super feel good, c'est pas stressant et c'est pile poil le genre de truc dont j'ai besoin en ce moment. Un truc sympa, voilà, pas de prise de tête. Franchement, c'est sympa. Donc voilà, Cobra Kai, bonne série en ce Il y moment. a deux The saisons, Crown non? aussi, super, avec Gillian Anderson au top. 2 saisons, ouais, absolument. Je suis à la fin de la première. Quand je Parce qu'en l'ai fait, vu, je me j'aime suis. beaucoup les idées Ouais. de série de Bernard sont top. Hein. Je vous conseille de les noter parce qu'il a des super idées série. Merci. Moi, je suis toujours branché sur Fargo, Dexter et les séries historiques. Mais là, actuellement, The Crown, faut Ouais, avouer voilà. que. En fait, ça va paraître bizarre de parler de ça, mais jusque-là, je prenais Lady Di pour une conne. Et là, maintenant, je la prends pour une victime. Voilà. C'est Je dois moche. avouer que ça vient vraiment de la série. J'avais une mauvaise analyse historique. D'ailleurs, j'avais aussi une mauvaise analyse historique sur l'affaire Grégory. J'étais persuadé que c'était la mère. Et en fait, maintenant, je suis persuadé que c'est des connards de journalistes qui ont monté un sale coup à la mère et que la mère est vraiment une victime. Voilà. Mais en tout cas, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'en effet, il est très important de garder le moral et de se dire, même si c'est une crise, c'est quand même plus facile à gérer qu'une la peste ou même la grippe espagnole qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents. Et c'est plutôt confortable grâce précisément à la livraison à la maison ou grâce à Internet. On n'est pas coupé du monde. Je pense que quand les gens devaient vivre enfermés chez eux sans bouger, sans savoir aussi ce qui se passait et sans même être capable de comprendre pourquoi il mourait, là, ça devait être très, très angoissant. Mais Mais c'est sûr, là, c'est très très important, même en dehors de ça, la période qu'on vit actuellement, c'est une période particulière qu'on vit quand on est étudiant en médecine au début. Quand on est étudiant en médecine au début, on prend soudain conscience de sa mortalité, parce qu'on rencontre des cas et on voit des gens mourir et on se le prend comme un train. Chacun a cette phase. Moi, je la réutilise dans mes romans régulièrement parce que c'est quelque chose dont on peut se servir pour impliquer le lecteur dans l'histoire. J'utilise toujours énormément mon vécu. Il y a souvent des histoires de médecins, d'enquêtes dans le milieu médical et tout. Mais cette phase-là qu'on vit au début des études de médecine, on est les seuls médecins et les personnels soignants à la vivre. Et là, tout à coup, avec cette pandémie, c'est la première fois que le monde entier prend conscience et en même temps de sa mortalité. Il faut voir que quand on est en médecine, on se prend un train dans la figure au moment où on réalise ça. C'est très compliqué à gérer. Et on a un tas de mécanismes qu'on apprend, notamment
un que je cite dans les bouquins, qui est de mettre sa cape blanche, c'est-à-dire sa blouse blanche, cette blouse qu'on met nous préserve de ça, parce que c'est notre job. Donc quand on voit un drame, c'est notre job. Quand on a quelque chose de difficile à gérer, c'est notre job. Et on peut la passer dans cette case en se rassurant, en disant, bon, bah voilà, tu vois là, c'est triste, tu pleures de ce qui arrive à ce patient, mais ça fait partie de ton apprentissage. Or, c'est absolument pas le cas, là, dans la pandémie. C'est pas notre job de subir une pandémie. Et les gens subissent ça de plein fouet, et on nous donne pas les armes pour ça. Résultat, on a déjà 2 à 3 fois plus de syndromes dépressifs, d'hospitalisation, de gens qui souffrent énormément. Et donc, on a tellement balancé de rouleaux compresseurs stressants qu'on ne prend pas ça en compte, et c'est très très important. La population, il faut absolument qu'elle se concentre, on le fait instinctivement, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On mange plus, on picole plus, on regarde plus de séries télé, on va chercher le plaisir là où il est. Mais c'est important de dire aux gens, les gars, c'est pas le moment de vous restreindre. C'est pas le moment d'arrêter de fumer, hein. C'est pas le moment d'entreprendre un régime, c'est pas le moment d'essayer d'optimiser ou de réussir son confinement. Vous savez, moi, en confinement, je suis totalement improductif. Hein. Je n'ai pas l'état d'esprit pour arriver à produire du livre, de l'imaginaire. Voilà, c'est des moments où il faut savoir lâcher et dire, bon, OK, c'est tout, à suivre. Prenons ce qu'il y a de bon et à suivre. Donc, si jamais vous stressez les uns et les autres, ne culpabilisez pas. Voilà, dites-vous qu'on est tous là, c'est tout. Buvez un coup, ça ira mieux quand ce sera passé. Donc, tu encourages l'alcoolisme durant le confinement? C'est ça, dans la relaxation, en tout cas. Non, mais clairement, je veux dire, il faut l'histoire de la modération. Ben non, il y a un moment, vous savez, votre cerveau, il peut pas subir 5-6 contraintes fortes simultanément. C'est impossible. Bernard, il vous le confirmera parce qu'il étudie ça sans arrêt. Le cerveau, il peut subir une certaine dose de contraintes. Il peut gérer 1, 2, 3 objectifs, mais pas beaucoup plus. Moi, quand les patients arrivent en crise d'angoisse, et j'en vois mais tous les jours, hein, toutes les gardes, c'est comme ça. C'était déjà comme ça avant, mais j'en ai plus maintenant. Je leur dis, un petit conseil que je vous file, qui est pratique dans la vie courante, vous n'avez pas le droit d'attribuer le chiffre 10 à tous vos objectifs. Vous devez choisir un objectif, celui-là, il est à 10. Le suivant, vous allez le mettre à 9. Le suivant, peut-être à 7. Et les autres, vous êtes obligés de descendre à 3 ou à 2. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de poursuivre plusieurs objectifs à 10 simultanément. Donc, si 10, pour vous, c'est la perte de poids, parce qu'en ce moment, c'est votre combat, et voilà, et vous en choisissez un, bah, ce sera 10. Mais l'éducation des enfants et leur taf, ça ne peut pas être à 10. Vous n'avez pas le droit. Donc, il va passer à 8. Et puis, être performant dans votre job, alors il sera à 4. C'est comme ça, on ne peut pas maintenir à 10 toutes les parties de notre vie en même temps parce que votre cerveau pète un boulon, il ne peut pas faire ça. Il va encaisser une énorme dose de stress que vous lui imposez. Et il ne faut pas faire ça. Il faut avoir des soupapes et voilà. Alors l'histoire du chiffre, en fait, c'est juste une astuce pour vous permettre de visualiser. C'est de vous dire, voilà, on n'a pas le droit de mettre tout à 10. Donc du coup, je suis obligé de baisser ma dose de stress et de ne pas mettre tout au maximum. Voilà, c'est important à piger ça, parce que sinon, on génère soi-même une énorme dose de stress en voulant être parfait tout le temps. C'est un truc plus féminin, je crois, d'ailleurs, hein, Bernard. Je sais pas, les hommes, on est plus égoïstes. C'est surtout la 4e loi Toltec qui dit « tu fais de ton mieux, mais tu n'es pas obligé de réussir partout et d'avoir l'excellence ». Et c'est vrai que beaucoup de gens se mettent trop de pression. Et c'est vachement bien que tu aies dit « écoute, il faut surtout se préserver sa bonne humeur ». Et c'est bien que tu rappelais la dimension psychologique aussi, parce que c'est évident que cette maladie, ce n'est pas que virale, c'est aussi psychologique. Mais complètement, c'est important même d'une façon générale dans la vie de ne pas se mettre une pression constante vachement élevée. Alors, lire des livres, par exemple, c'est une très bonne idée pour pouvoir se détendre. Bon, comme Bernard est parti... Je vais en profiter pour vous raconter des trucs cochons à mon sujet, parce que comme il n'est pas là, je vais vous raconter des histoires. Alors, une fois, je le surprends. Ah, c'est revenu, mais j'étais en train de leur raconter des trucs cochons à ton sujet. Il s'est râpé, alors je ne peux plus. Il y a eu un saut, ça a coupé, m'a coupé le son. J'ai entendu comme Bernard est parti, et après, tout a disparu. Alors... Ben voilà, mais écoute, c'est parce que j'ai raconté plein de trucs chelous sur toi pendant que tu n'étais pas là, alors voilà, mais ça restera entre moi, je ne dirai rien.
C'est faux. Ça sera entre les spectateurs, auditeurs, internautes du. Bon, les bouquins, les séries télé, rire avec des amis, passer un bon moment, c'est l'essentiel de la vie, de toute façon, c'est ça. Et en plus, l'essentiel de la vie, c'est des petits objectifs simples comme ça. S'éclater à lire un bouquin ou une bonne série, franchement, c'est génial. Quand on est surpris, être surpris par un livre, c'est vraiment une émotion extra. On bosse beaucoup tous les deux pour ça, parce que souvent, on discute de nos idées. Et pouvoir surprendre et frustrer un peu le lecteur. Tu sais que c'est un truc que tu m'as expliqué, ça. Une des toutes premières fois où on s'est rencontrés, tu m'expliquais que l'art d'écriture, c'était d'arriver à frustrer le lecteur régulièrement, puis à le satisfaire, puis à le refrustrer. Qu'est-ce que tu dirais sur ça? Ouais, c'est l'art du suspense, hein, mais tu le maîtrises très bien. Là, par exemple, il y a un suspense sur le son. Je me demande tout le temps est-ce que les gens entendent ce qu'on dit. Là, j'ai en double écho, les conditions sont assez terribles, mais ce que je trouve formidable que tu aies. Attends, je vais baisser le son ici. Je trouve formidable le message que tu as envoyé qui est. Ne vous mettez pas trop de pression. Et puis, ce qui vous fait le plus peur, ce qui est bien que tu rappelles ça, c'est en fait le côté mystérieux du Covid. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu beaucoup de contradictions sur les explications, qu'il y a eu des contradictions même sur l'origine de la maladie, c'est-à-dire avec le pangolin, après il y a eu des suspicions sur le centre P4. Et au final, il y a une sorte de brouillard qui crée une sorte de. Qui crée une sorte, en fait, de mystère. Et on est en train de vivre, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'entre nous, les romans et les librairies marchent moins bien, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vit actuellement au niveau planétaire, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une expérience collective, c'est il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il y a une explication, mais on ne la connaît pas. Et là, plus ça avance, plus il y a des péripéties qui n'ont aucune logique compréhensible. Donc ça, c'est formidable pour les romans, c'est un peu plus compliqué quand c'est dans la vraie vie. Et comme tu l'as dit, la seule manière de fonctionner, c'est d'essayer de Bien garder le sûr. sourire et de s'adapter. Mais alors, je voulais savoir, c'est quoi ta philosophie de vie de manière plus globale, en dehors de cet événement? Ma philosophie de vie, en fait, de façon globale, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est indépendamment de ça, du Covid, je fais pas de plan sur la comète. C'est très très important de prendre les bonnes choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Si on se fixe des objectifs inatteignables, on crée soi-même les conditions de l'échec. Si on se dit, voilà, je ne serai heureux que quand j'aurai eu mon examen qui sera dans 2 ans et d'ici là, je ne serai pas heureux, ben on se génère soi-même une quantité énorme d'anxiété qu'on va décider tout seul. Donc c'est très important de se mettre des petits gâteaux tous les jours sur la route de façon à être satisfait. Donc par exemple, application concrète, j'écris. Quand j'écris un bouquin, il est très important que je sois satisfait au fur et à mesure, et pas que je sois satisfait à la publication, si j'en vends plein, si j'en vends pas, c'est pas important ça. L'important, c'est le chemin, c'est pas l'enjeu à la fin. Donc quand j'écris une histoire, il faut que je sois surpris et que je vous surprenne à chaque chapitre. Il faut que je génère des rebondissements, il faut que je génère de l'émotion, parce que comme Céline le disait au début, était l'émotion, mais c'est ça, l'émotion, c'est la base d'un livre. Donc, il faut générer de l'émotion, toutes les palettes de l'émotion. Il faut avoir de l'empathie pour les personnages, il faut pouvoir les détester, il faut pouvoir avoir un retournement qui vous scotche, il faut pouvoir apprendre des choses que vous connaissiez pas. Donc, j'adore injecter des choses réelles pour que vous vous disiez, ah oui, c'est vrai, c'est incroyable, est-ce que c'est vrai ça, ce qu'il raconte? Je vais aller regarder sur Internet pour voir si c'est vrai. Et là, vous vérifiez, c'est vrai, et du coup, ça vous fait halluciner. Voilà, toutes ces petites choses, c'est des petits bonheurs que moi je fabrique, que j'injecte dans le livre, mais qui m'apporte du bonheur à moi. C'est-à-dire aussi, je me dis chaque jour, bon, bah, j'ai inventé cette scène, elle est sympa. Tiens, là, il y a un retournement, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Là, je fais un truc vraiment pour les scotcher. J'espère qu'ils vont finir le chapitre en disant, non, l'enfoiré, c'est incroyable, faut que je tourne la page. Voilà, et ça, c'est des petits bonheurs que je construis dans le bouquin et qui me permettent à moi d'avancer dans mon livre et de me faire plaisir. C'est comme ça que je peux aller jusqu'au bout du livre. Parce que si je me disais, il faut que ce soit une tour Eiffel et qu'elle tienne debout à la fin,
probablement que je serai terrorisé par l'ampleur du truc et que j'arriverai pas à construire le livre. Voilà. Dans ma propre vie, c'est le même genre de philosophie. Il faut que je puisse avoir des petits moments régulièrement tous les jours. Par exemple, le matin, j'aime bien, comme Bernard, me lever et faire de la gym sur un tapis, exactement comme mon personnage, d'ailleurs, et voir une bonne série. Donc je sais à chaque fois, chaque matin, que je vais voir une bonne série en courant sur mon tapis, pendant un petit temps que je m'accorde, et voilà. Et ça, c'est important, c'est des petits bonheurs comme ça. Et ces petits bonheurs-là, ils coûtent rien. On n'a pas besoin d'un environnement de dingue et tout. Vous pouvez voir une série sur votre portable, vous pouvez courir dehors. Voilà, on a toujours de l'espace pour faire ça. Et la plupart de ces petits trucs-là ne coûtent pas grand-chose et sont faciles à faire. Et la répétition de ces petits bonheurs apporte des endorphines. Les endorphines, c'est ce qui permet à votre cerveau... C'est la morphine naturelle, hein, les endorphines. Donc, c'est ce qui permet à votre cerveau d'être content. C'est ce que vous ressentez quand vous courez au bout de 30 minutes. Vous savez, l'espèce de bouffée, là, qu'on a au bout de 30 minutes, on est content, on a l'espèce de bouffée de joie. C'est l'effort qui produit ça. Mais ça, c'est un truc très réel, qui est l'endorphine. On l'a aussi quand on mange du chocolat, quand on fait l'amour, quand on rit. Ça marche beaucoup quand on rit, quand on rencontre ses amis. Voilà, il faut que votre cerveau fabrique des endorphines. Je crois que Bernard, il avait d'ailleurs eu un bouquin qui n'était que sur ça, sur la parce que c'est une discussion qu'on a eue, ça, sur la façon, qu'est-ce qui se passe si on est capable de se fabriquer tout seul des endorphines à volonté. Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe si je prendrais la faim? Si on est capable de se fabriquer soi-même des endorphines, oui, à volonté. Je crois que tu avais une expérience avec toi là-dessus. Oui, j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'ultime secret ». Le problème, c'est qu'on perd goût à la vie. C'est parce que si on peut soi-même décider quand c'est qu'on a le plaisir, donc il n'y a plus de suspense. Et d'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites par un monsieur qui s'appelle Michael Hold en 1951, qui a découvert le centre du plaisir qui s'appelle « Median for Brain Bundle ». Et il s'envoyait lui-même des décharges. Non, il envoyait d'abord sur des singes et sur des chats et sur des souris des décharges. Ces souris avaient la possibilité de s'envoyer elles-mêmes ces décharges. Et elles renonçaient à se nourrir et à avoir une sexualité et à avoir toute activité pour ne rester qu'à s'envoyer ces décharges. Donc c'est la drogue absolue. Et c'est pour ça que dans l'ultime secret, je disais que le jour où nous aurons accès à ce plaisir, ce que tu disais, ces décharges d'endorphines en permanence, en fait, on perdra l'envie de se donner du mal, de se lever le matin. On sera juste comme des drogués permanents. C'est la drogue absolue. Et la morphine ou l'opium arrive indirectement à provoquer des petits effets sur cette zone qui s'appelle Median for Brain Bundle et qui se trouve entre les deux hémisphères dans la zone du corps calleux. Et je crois qu'il y a encore des expériences qui sont faites dessus, mais qui sont plus ou moins secrètes, parce que c'est quand même un peu touchy comme sujet. Mais toi-même, tu as travaillé sur le cerveau ? Au début, lorsque j'ai fait médecine, je voulais être neurologue. C'était mon premier souhait, c'était ça. J'étais passionné par la parapsychologie. Et quand j'étais en première et en terminale, je me disais non, mais en fait, la parapsychologie, c'est qu'une science comme les autres, il faut l'étudier. Et la meilleure méthode pour ça, c'est d'aller au cœur des choses et de faire médecine et de faire neurologie. Donc, j'ai commencé médecine dans cette idée-là. Et donc, après, je ne suis pas devenu neurologue parce que c'est vraiment... C'est une matière très statique. La neurologie progresse peu avec les années. Et moi, je me suis découvert une affinité pour les urgences parce que, voilà, l'urgence, bah, c'est trépidant. Il y a des retours tout le temps, comme dans les thrillers. Et donc, ça me correspondait mieux. Donc, je n'ai pas continué en neuro. Mais oui, bien sûr, c'est les phénomènes de... Enfin, il y a beaucoup de phénomènes paranormaux qui sont pour l'instant peu connus et qui, en fait, auront des explications et on les découvrira au fur et à mesure. Donc, la médecine, c'est un super moyen d'étudier ça en faisant la part des choses. Et alors, toi, comment tu fais pour t'envoyer des décharges d'endorphines? Tu manges des gâteaux? Oui, mais t'as une silhouette fine, hein. tu es complètement sportif. Parce que je cours deux fois plus, bien sûr, comme toi. Hein. Il faut absolument faire entretenir le physique, ça, c'est fondamental. Et puis ça permet de commencer comme ça me donne la pêche. Parce qu'en fait, moi je conseille beaucoup
La marche rapide. La marche rapide, c'est un bon moyen de ne pas se faire mal, parce que courir dans les bois, moi je vois beaucoup de gens le week-end qui courent dans les bois et qui se font des entorses. La marche rapide, c'est rare qu'on se fasse mal, c'est très bon pour le cœur. On peut en faire à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition physique, c'est facile. On peut se mettre sa playlist favorite, donc ça c'est cool, hein, parce que comme ça, voilà, on a des nouvelles musiques et tout. Et la marche rapide, c'est un petit combat contre soi-même, parce qu'au début c'est facile, hein, les 15 premières minutes, ça va, à partir de 20, ça commence à devenir relou, et puis à partir de 30, très relou. Donc cette espèce de petit combat, ça nous permet d'avoir un petit univers dans lequel on gagne. C'est nous tout seuls qui décidons ça. Et au bout de 30 minutes, on peut dire, bon, bah voilà, j'ai fait 30. Hier, j'ai fait que 25, mais là, j'ai pu faire 30. Et après, on peut gagner et dire, j'ai fait 35. On peut augmenter un peu la vitesse. Voilà. Cette espèce de petit univers clos dans lequel on a un combat et dans lequel on gagne tout seul, c'est un énorme entraînement pour le cerveau. Parce que si on est capable d'accomplir ça, alors on va pouvoir développer la même énergie pour accomplir autre chose. Parce que c'est chiant de faire de la marche rapide. Mais si on a pu faire ce truc-là, alors non seulement c'est bon pour le corps, mais ça va nous donner de l'énergie pour pouvoir faire des tâches ménagères qui sont chiantes, ou alors accomplir un boulot qui a priori est répétitif et chiant, ou alors, j'ai dit beaucoup, beaucoup chiant, hein, vous avez remarqué, ça c'est le Covid. ou alors, enfin voilà, donc très bon exercice, marche rapide. Mais je crois que tu es un adepte Quoi? aussi, hein. Je crois que tu es un adepte Là aussi. actuellement, je suis passé au vélo. Et tu m'entends bien là? Ah, Parfaitement. un vénard, je t'entends vachement mal. C'est un peu les pires conditions. J'ai un énorme écho dans l'oreille. Et si je l'enlève, je sais que vous ne m'entendrez plus. Mais là, je suis passé au vélo. Et je dois avouer que c'est plus agréable que la marche rapide. Mais j'alterne. Aujourd'hui, j'étais tout seul dans le bois de Boulogne. Il faisait pratiquement nuit. Il pleuvait. Et il y avait une sensation d'être seul au monde. En plus, j'étais pratiquement dans le noir. Faire du vélo dans la forêt, dans le noir, c'est un trip un peu bizarre, et sous la pluie. Mais toi, tu fais combien Bizarre, la marche rapide? Tu fais tous les jours? Et oui, tu as tous un les jours, oui. circuit? Je vois passer les commentaires. Il y en a qui a dit fumer un bon gros pétard. Alors, fumer un bon gros pétard aussi, ça fonctionne. Mais on n'acquiert pas le contrôle de la marche rapide. Mais ça Tu marche très vois bien. les commentaires aussi? Oui, j'ai Facebook, donc je vois les commentaires des uns et des Ah autres, bien ouais, bah sûr. écoute, t'as de la chance. Alors, je tiens vraiment à m'excuser, je suis un internaute débutant et j'apprends souvent en me trompant. Là, je ne maîtrise pas complètement le truc, mais moi, j'ai du mal à voir les commentaires, mais j'arrive à en voir mort de rire, bioui dans les bois en pleine nuit, mais pourquoi faire? Pas n'importe quel Marche et bois, danse en même c'est temps, le bois de Boulogne en plus. et oui, marche et danse en même temps, absolument, ça c'est top, ça c'est génial. Comment se faire une teuf tout seul à la maison? Eh ben voilà, tu marches et tu danses en même temps. Et ça c'est extra, parce que voilà, tu danses. Danser c'est vachement bien. Et danser tout seul c'est un peu triste, mais on peut le faire en marchant avec de la musique, ça marche à fond. Et on grille un max de calories, Est-ce et que... ouais, c'est sympa. Il faut trouver des petits trucs en ce moment pour aller bien. Mais on a le droit de les trouver en ce moment et de se les conserver pour plus tard aussi, hein. C'est complètement Tu écoutes des faisable. podcasts quand tu fais des marches rapides ou tu téléphones, tu fais quoi? Non, je regarde des séries si c'est sur un tapis et à l'extérieur j'écoute de la musique. J'écoute les playlists, des trucs en ce moment parce que c'est comme ça. Quand j'écris des livres, j'ai des personnages de différentes générations. Donc c'est important de les recadrer dans leur génération. Moi, j'ai une nostalgie des années 80, donc je vais créer un personnage quarantenaire ou cinquantenaire. Mon personnage de médecin urgentiste cramé qui a différentes... qui est impliqué à chaque fois dans différentes enquêtes criminelles, il a une très forte nostalgie des années 80 et tous les gens de cet âge-là, ils vont se retrouver à travers des réflexions que je fais parce qu'on bah, on a tous les mêmes. Voilà, le moment où il n'y avait pas de téléphone portable, je sais pas, Ouais. Dorothée à la télé, Goldorak, enfin, un tas de choses comme ça vont être parlantes. Mais j'ai aussi des personnages de maintenant et les personnages de maintenant, il faut aussi que je rentre mon cerveau dedans. Et donc là, c'est mes enfants qui vont beaucoup me servir pour les développer.
puisque j'ai une fille de 23 et un fils de 19, de 17, et tous les deux, ils me servent énormément de sources d'inspiration. Et la musique est extrêmement porteuse. On ne peut pas du tout écrire... pour moi, la musique est très importante quand j'écris, et on ne peut pas du tout écrire des choses contemporaines et ne pas du tout être au courant de ce qui se fait actuellement. Voilà, donc il faut T'écoutes connaître quoi, toute la par musique exemple? de PNL... PNL, par exemple, ou tous les rappeurs de maintenant, hein, c'est facile. Mon fils a des playlists extraordinaires. Donc voilà, il faut connaître Damso. Enfin, ça fait Il partie faut de que la tu me fasses vie. une playlist. Ben Les ouais, noms bien que sûr. tu prononces, je ne les ai jamais entendus, mais ça a l'air fascinant. Et ça ressemble à quoi? C'est du rap? Oui, bien sûr, mais il y a toutes sortes de choses actuelles qu'il faut connaître parce que ça va composer la psychologie des personnages et que si je peux pas écrire les pensées de quelqu'un qui a 20 ans et ne pas avoir des références comme ça, parce que si je lui colle en tête Goldorak, à la rigueur, ça peut être marrant, mais il faut qu'il ait une bonne raison. Non, il faut qu'il ait des préoccupations maintenant. Il y a une génération qui est avec les portables, la communication. Ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de faire là tous les deux, et qu'on fait avec toute la petite bande, Candy, Marianne, mais oui, mais oh là là, mais Candy, mon Dieu, comment j'ai trippé Du avec rap Candy, t'as coréen, raison. ah ouais. Et ce qu'on fait là, Candy, ouais, tu te rappelles Candy, avant ou après Goldorak, quoi. Mais ce qu'on fait là, de se parler, de communiquer avec les gens, mon fils, il le fait depuis qu'il a 8 ans, comme le tien, quoi. Donc il est né avec. Jouer en team avec des gens et s'imposer au milieu d'une team dans les jeux vidéo lorsqu'on est 10 hein, et parler et imposer son caractère, il le pratique depuis qu'il a 8 ans. Donc évidemment que cette communication et que cette façon de fonctionner dans le monde contemporain s'est imprégnée chez eux et pas du tout chez nous. Moi, je sais pas, je me souviens par exemple de la fois où je suis sorti au hall avec un bebop. Tu te rappelles le bebop, l'ancêtre des Un téléphones produit portables, et national je à me l'époque, on baladais voulait avec un exporter ça bebop. dans le monde entier. C'était un copain qui bossait dessus, donc on se balade avec le bebop au hall, et le gars il téléphone et il appelle sa mère et il dit tu sais où je suis? Je suis au milieu des halles, je t'appelle avec un téléphone à la main. Et sa mère elle hallucinait totalement et tout, tu vois. Bon voilà, donc c'est rigolo, nous on a vécu ça, et puis bah non, les gamins de maintenant, c'est incompréhensible pour eux ce genre d'émotion. Donc il faut rentrer dans leur tête et ça permet aussi de créer des personnages contemporains crédibles, c'est Tu essentiel. n'écoutes D'où pas la les musique. musiques de films, t'es pas dans les choses plus philharmoniques? Si, alors, j'écris pas en musique, contrairement à Maxime Chatham qui écrit beaucoup en musique, qui met une musique comme ça planante et qui écrit en même temps. Par contre, je m'inspire en musique. J'ai beaucoup, beaucoup joué au jeu de rôle jusqu'à l'âge de Et même tu as 25-30 créé des ans jeux, tu et as créé des j'utilisais scénarios les. et tu es un grand maître de jeux de rôle, hein, Voilà. pour ceux qui le découvrent. Les scénarios, des scénarios, il y a maintenant, les scénarios sont beaucoup joués en ligne. Maxime, par exemple, il participe à une expérience depuis un an dans laquelle il est intervenu plusieurs fois sur Roll and Play, qui est une chaîne dans laquelle on voit des gens jouer au jeu de rôle. Et le scénario que joue cette bande-là, c'est moi qui l'ai écrit avec mon collègue Chris Debien, ça s'appelle Oblivion. Donc ça, c'est ce que je faisais il y a une quinzaine d'années. Et donc j'ai écrit pas mal de scénarios de jeux de rôle. Et on les faisait jouer en musique. Donc j'utilisais évidemment des musiques de films parce que ça, elles sont conçues pour soutenir les émotions. Donc évidemment, c'est très utile pour imaginer des scènes. Si on veut imaginer une scène d'action, on peut se passer une musique de film d'action, une scène triste, etc. Voilà. Mais je n'écris pas en musique parce que sinon tout est dans la musique, rien n'est dans le texte. Il faut que ce soit le texte qui véhicule ça et pas la musique qu'on écoute. Donc moi, ça m'est arrivé d'imaginer des choses en musique, mais ça donnait rien une fois que c'était écrit. Donc il faut que ensuite je l'évacue et que je restitue ça en mots. Par contre, c'est vrai que Je c'est comprends dur. très bien, moi aussi je mets des playlists à la fin des livres, mais moi j'utilise la musique sur toutes les scènes où les personnages ne parlent pas. Quand les personnages parlent, il faut que je les écoute parler, et donc je suis comme ils étaient vivants, ils avaient leur indépendance, donc je suis spectateur des dialogues. Mais dès que mes personnages voyagent ou dès qu'il y a des batailles, c'est surtout pour les batailles, si tu mets des musiques, bon là par exemple, j'écoute Kingdom of Heaven parce que ça correspond à l'ambiance du livre, enfin, de ce que j'écris. Mais oui, Il y a un truc, un enthousiasme. tu sais quelle heure?
Kingdom of Heaven est en bande sonore de l'heure du diable. Ben voilà. Je l'ai mis à la tu fin. Tu vois qu'on retombe sur les mêmes, normal, les mêmes sources. Les grandes... Mais comme tu dis, tu et fermes les yeux, tu mets de la musique, il y a tout de suite des images qui arrivent. Et moi, il y a une musique qui me donne envie de foncer et dans l'écriture, c'est Peter Gabriel. C'est une musique de Birdie qui s'appelle The Hit. Quand je l'écoute, j'ai envie que tous mes personnages foncent. Et donc, à l'écriture même, j'écris beaucoup plus vite. Et dans les masterclass, je leur ai fait des fois l'expérience de leur mettre cette musique-là. Il y a beaucoup de batterie. Ça va très, 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 très vite. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et je vois, il y a très peu de gens qui arrivent à ne pas écrire sur cette musique. C'est-à-dire, dès que tu entends ça, tu as envie d'écrire quelque chose. Donc, la musique aussi donne un style. C'est, au bout d'un moment, si tu écoutes de la musique lente. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu dans le rap, c'est qu'il y a des paroles. Par contre, j'écoute des musiques sans paroles. Et toi, te gênes pas les paroles quand tu écris? Non. Alors, justement, pour tous ceux qui aiment écrire et qui aiment avoir des idées d'inspiration, moi, je recommande un truc. C'est lorsque vous avez une envie. Par exemple, vous avez envie d'écrire une histoire, vous avez déterminé un tout petit peu le genre d'histoire que vous voulez, faites-vous d'emblée une playlist. C'est-à-dire, quelles sont les musiques qui pourraient coller à cette histoire? Parce que ça va être une source d'inspiration pour vous envoyer l'esprit dans les directions où vous n'auriez peut-être pas imaginé aller. Exact. Moi, c'est ce que je fais à chaque nouveau roman. Je vais faire, je vais faire, je sais que je veux écrire dans telle thématique, voilà. Donc, pour ma trilogie, je suis parti la première fois sur les sous-sols, les catacombes, Paris, la dualité entre la lumière et l'obscurité. Ça se passait, chaque saison de ma trilogie se déroule en une saison particulière, chaque saison, d'ailleurs, saison série et saison l'été et l'hiver. Voilà, le jour du chien, c'est en été, la nuit de l'ogre, c'est en hiver, et l'heure du diable, c'est en automne. À chaque fois, ça définit la température, les couleurs et l'ambiance de ce qui se passe. Quand j'ai écrit Le jour du chien, ça se passait en été, écrasant, très forte chaleur, Paris. En sous-sol, il faisait un peu plus frais, il se passait des choses incroyables, et c'est ça que va découvrir le héros médecin urgentiste, qui va être entraîné dans les sous-sols de Paris, où sa femme a été tuée plusieurs années auparavant, et on va découvrir cette brigade évangile qui enquête dans les sous-sols, et moi, il me fallait des choses qui m'inspirent avec ça. Donc, juste avec ces idées-là, sans avoir défini énormément l'histoire, je suis parti dans tout ce qui pouvait m'inspirer. Alors évidemment, j'ai tapé dans les ambiances catacombes, le hard rock, qu'est-ce qu'on écoute, les fêtes nocturnes qui pouvaient se dérouler en sous-sol, tout ça. Mais j'ai aussi, je suis parti sur la house, la techno, parce que là, c'est l'ambiance des fêtes. Après, je suis parti sur d'autres musiques comme Alien, par exemple, qui faisaient peur. Et donc, j'ai fait une playlist, et avec cette playlist, j'avais des idées d'ambiance, et ces idées d'ambiance vous donnent des idées de scène, ensuite. Parce que vous vous dites, tiens, il pourrait se passer ça, tiens, il pourrait se passer ça, et ces scènes vont peut-être donner des scènes clés de votre histoire, et dans une histoire, il y a 4 ou 5 grandes scènes clés. Une fois que vous avez mis cette playlist, et que ces scènes clés vous viennent et que vous les posez, vous avez déjà un puzzle. Vous avez déjà une trame avec de grandes scènes comme les grands moments d'un film qu'on peut agencer. Et donc ça, c'est une façon assez facile, en très peu de temps, puisque là, en une heure, on écoute une playlist, d'imaginer les grandes scènes clés de votre livre. Et la musique a ce pouvoir de stimuler l'imagination largement aussi bien qu'une drogue. Parce que ça aussi, ça fabrique énormément d'endorphines, ça propulse énormément votre cortex, et ça vous permet d'imaginer des choses que vous ne pouvez pas imaginer comme ça, à plat, sans enthousiasme. La musique crée l'enthousiasme. Et après, vous pouvez tout à fait laisser votre musique de côté et travailler les scènes dingues que vous venez d'imaginer, quitte à un peu baisser le level, quoi. Si vous êtes allé trop dans les tours, il faut peut-être baisser un peu pour que ça reste cohérent avec votre histoire. Voilà, c'était l'astuce, la musique. Est-ce que tu dessines aussi? Est-ce que tu fais des plans pour savoir où tes personnages circulent comme dans les jeux de rôle, justement, vu que tu as cette formation de jeux de rôle et que les rôlistes, ils ont toujours des plans? Non, c'est-à-dire que je suis vraiment une quiche en dessin. C'est horrible, je ne suis pas comme toi qui fais des dessins canons. Toi, à chaque fois, tu fais des dédicaces magnifiques avec des super dessins. Mais moi, non, parce que c'est horrible, je ne sais pas dessiner. Donc, je fais des repérages photos, mais je ne dessine pas. Tu vas à l'endroit où se passe la situation, tu fais des photos et tu regardes les photos pour écrire.
Oui, toujours, toujours. Je fais par exemple, la dernière fois, j'ai fait un live dans lequel je balançais toutes les photos d'endroits sans spoiler dans lesquels je suis allé. À chaque fois, je photographie, je vais dans les endroits, je photographie et je les utilise. Parce que ça, c'est vraiment une source d'inspi super importante. Il faut voir comment sont faites les choses, quoi. Donc, ça, j'adore ça, quoi. Ça m'est venu en fait des romans de Michael Connelly. Michael Connelly, il a toujours pratiqué ce genre de truc dans ses polars américains. Je me souviens d'un polar dans lequel il va à Las Vegas et il fait visiter les coulisses d'un casino, y compris la cage d'ascenseur avec des systèmes de sécurité et tout. Et je trouvais ça fascinant parce qu'on apprenait ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc ça, c'est super. Donc moi, dans mes bouquins, j'utilise bien sûr le ce qu'il y a derrière d'un point de vue médical, puisque je fais rentrer dans des labos, dans des morgues, dans des endroits auxquels j'ai pas accès. Mais ne serait-ce que d'aller, par exemple, dans les catacombes, c'était une expérience incroyable. Ça, c'était vraiment Moi, je me super. rappelle la première fois que j'étais dans les catacombes, j'ai failli laisser la peau parce qu'on n'arrivait pas à retrouver comment remonter. Et justement, on a vu la faculté de médecine, enfin beaucoup d'endroits que tu évoques, et on s'est retrouvé dans la boue à patauger et il pleuvait au-dessus. Bon, on ne percevait pas parce qu'on devait être au troisième niveau. C'était du côté d'Enfer Rochereau. Et l'eau montait, montait, on était dans les couloirs comme avec des tenues spéléologistes. Mais tu as dû peut-être aussi avoir des Oui. fouilles, non, dans les catacombes, si tu as. Visiter. Mais j'avais un super guide. J'avais un super guide que j'ai cité dans le bouquin. Donc non, on n'a pas eu de faille parce que c'était un guide rôliste qui connaissait très bien les catacombes. Dans le milieu du jeu de rôle, il y a beaucoup de cataphiles. Les cataphiles, c'est ces gens qui sont des experts des catacombes. Et puis, il faut pas improviser le truc. D'ailleurs, dans le tome 1, je raconte exactement comment faire pour y aller. Je parle de points d'accès sans les nommer parce que c'est secret, hein, on n'aime pas trop diffuser ça. Mais enfin, ils sont faciles à retrouver quand on connaît un peu. Et aujourd'hui, il y a vraiment des plans, très complets sur Internet, hein, qui circulent, qui sont assez faciles à trouver, dans lesquels on a vraiment les réseaux. Mais c'est immense. On est... Le sol est beaucoup plus grand que la Nous, on était surface. tout un groupe avec un guide, mais on s'est séparés en deux groupes. Et puis, quand on s'est retrouvés en sous-sol et que l'eau a commencé à monter, le plan a été mouillé. Et il fallait arriver à repérer sur le plan mouillé qu'est-ce qu'il y avait comme trace. Et parce que vu qu'il y a plusieurs niveaux, quand l'eau monte au niveau le plus bas, il faut trouver la porte, l'accès au niveau au-dessus. Si vous ne l'avez pas, vous errez dans le labyrinthe Ouais. à la recherche d'un accès. Il n'y en a pas beaucoup. Et des fois, on se retrouve aussi, on Non. peut voir les gens passer dans la rue, mais tout est soudé, les plaques sont soudées, donc on ne peut pas remonter. L'ensemble est assez angoissant et je dois dire pour les internautes qui nous écoutent, n'y allez pas seul, n'y allez pas avec quelqu'un dans lequel vous n'avez pas une totale confiance. Et puis, ce n'est pas une expérience anodine. D'ailleurs, je crois que normalement, c'est interdit par la loi. Il y a une police même qui circule dedans. Complètement. La police patrouille pour ressortir les gens des catacombes. Il y a eu des accidents, hein, il y en a toujours. Hein. Mais que dit Amélie? Tu nous racontes l'histoire de dingue du mec avec la greffe de main que tu connaissais. Mais c'était quoi Il faut l'histoire de la préciser que dingue de la greffe de Patrick est main? spécialiste dans la chirurgie des mains. Et que c'est une chirurgie qui est très délicate et que c'est un as de cette pratique. Voilà. Maintenant, je ne connais pas l'histoire, moi non plus. C'est quoi l'histoire de ton opération? Du dingue? Elle pense au le gars qui voulait se faire effacer les empreintes, je suppose. Hein. Je pense que c'est à ça qu'elle fait référence. Parce que je travaille dans un service SOS main. Donc, je me sers de tout ce que j'ai dans mes histoires. Je l'avais beaucoup exploité, ça, dans mon troisième livre qui s'appelle Seul à savoir. Parce que dans cette histoire, c'est tiré d'un fait réel. Un jour, j'ai un gars qui débarque et qui dit, comme ça, en loose day, voilà, j'aimerais bien qu'on efface les empreintes digitales. Donc le type, genre, garde les champs de base et donc il voulait Bandit, servir les empreintes. Ouais, un gangster. un gangster, un vrai gangster. Alors, c'est marrant à dire dans un bouquin, en vrai, c'est aller moins, parce que c'est compliqué. Moi, j'étais face à un gangster, un vrai gangster. Le gars, il est venu avec une valise, avec des billets dedans. Il a dit, il n'y a pas de problème, je signe rien, j'ai de quoi payer. Il pose la valise et dit, voilà, je voudrais cette opération. Je lui explique délicatement que non, d'ailleurs, quand on essaye de les brûler à l'acide, ça repousse. Notre code génétique les fait repousser. Il faut vraiment complètement
flinguer les doigts pour qu'il n'y ait plus d'empreintes. Hein. C'est très complexe. Et puis en plus, aujourd'hui, à l'époque de l'ADN, ça ne sert plus à grand-chose. On va être repéré par l'ADN. Ce n'est pas très important, les empreintes. Mais en tout cas, le problème, mon problème, c'est que j'avais un grand méchant et un garde du corps et une valise pleine de thunes et que le gars me demande gentiment de m'occuper de lui. Donc, j'appelle mon collègue chirurgien, je lui dis, écoute, voilà, il faudrait pouvoir éconduire ce monsieur, mais pas trop méchamment quand même, parce que tu vois, voilà, il est face à moi. Il faudrait trouver une astuce pour quand même lui expliquer que on n'efface pas les empreintes. Et il me dit, mais peut-être, on va voir, peut-être je peux la faire l'opération. Je lui dis, non, 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 t'es fou, attends, t'as le mec qui te paye en liquide et tout, tu veux faire l'opération, c'est complètement illégal. Et puis en plus, si tu l'as fait, tu vas te retrouver avec. Enfin, voilà, tu vas avoir le bras pris dans un engrenage, c'est mort, quoi. Voilà, donc finalement, on a trouvé le moyen d'éconduire ce Tu l'as pas brave fait. monsieur, mais c'est vrai que. Non, non, on ne peut pas faire ça, c'est réellement illégal. Mais de toute façon, cet aspect-là, c'était la proximité soudaine avec un truand qui t'aime bien, qui te trouve sympa, le gars. Il est prêt à revenir avec ses potes parce que bah, t'es gentil, alors il t'aime bien. Et ça crée un rapport qui est compliqué, tu vois. Si un truand t'aime bien, c'est compliqué pour toi. Et donc, de ça est née une histoire entière, à la fois sur les empreintes digitales, parce que les empreintes digitales, il y a un enjeu énorme sur la reconnaissance d'empreintes digitales pour un tas de raisons, parce que ça a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Voilà. Et ça, plus le fait d'être proche comme ça, tout à coup, un individu malfamé vous veut du bien, Il n'y mais avait vous n'en pas avez pas une trop envie. histoire C'était avec un des crocodile ressorts. qui t'a bouffé la main ou qui avait bouffé une main? Oui, ça, c'est une histoire authentique. Toutes mes premiers livres, ils se situent tous dans la région de Naples, Que tu Naples, connais bien. en Floride, que je connais très très bien parce que on y est allé pendant des années, tous les étés, j'y passais au moins 3 mois, 4 mois, tout le temps, tout le temps. Et donc, Captain Doug, qui est un des captains qui fait les circuits dans les Everglades, et que je connais bien parce que le meilleur tour pour aller dans les Everglades, un tour que j'ai décrit dans Monster ou dans Les Fantômes d'Éden, qui sont mes premiers livres, donc c'est lui qui nous emmenait à chaque fois parce qu'il nous emmenait dans les tunnels de mangrove. À Everglades City, chaque famille a une concession. Et il y a peut-être 7 ou 8 familles, et telle famille, elle a telle parcelle, telle autre, telle parcelle. Captain Doug, il a la parcelle qui va dans les tunnels de mangrove. Donc on monte dans ces airboats, les aéroglisseurs, et c'est très spectaculaire parce qu'au lieu de glisser sur des grands eaux, qui sont toujours ceux qu'on voit dans les films, on glisse dans des tunnels dans lesquels la végétation est entièrement recouverte. Donc on avance vraiment dans des tunnels. Et on y est à très très grande vitesse. Donc il y a la lumière qui perce. Comme ça, avec des petits rayons lumineux, on a de temps en temps des lamantins qui passent à côté, on voit des phacochères dans des trous d'eau sur le côté, et on fonce là-dedans à grande vitesse en tournant, en zigzagant, et c'est génialissime. Donc cet environnement m'a servi pour un livre entier dans Les Fantômes d'Éden, j'exploite ça. Et ce fameux Captain Doug, il y a quelques années, il donne à bouffer aux alligators, parce que c'est des fous, hein, les mecs, ils donnent des gros quartiers de viande pour faire venir les touristes et tout ça. Et l'alligator lui bouffe la main. Il saute, il attrape la main, il lui emporte la main. Bon, il perd sa main. Il perd sa main, sauf que en Floride, là-bas, il y a aussi un service SOS main qui fait des greffes. Les gars sont tous partis pour trouver l'alligator. Ils ont chopé l'alligator, ils l'ont tué, ils ont sorti la main et ils ont fait une tentative de greffe avec sa main greffée sur lui. Alors qu'elle était en partie digérée et tout ça, voilà, avec tout un tas de systèmes pour essayer de faire prendre la greffe, ils l'ont vraiment fait. Donc cette anecdote, elle est racontée dans Le Parisien. J'ai le lien, hein, pour ceux Ça a qui veulent marché? voir, je vous enverrai ça, parce qu'elle est. Non, ça n'a pas marché. La greffe n'a pas tenu. Il y avait trop de bactéries. C'était sa propre main, ça aurait pu fonctionner, hein, puisqu'il n'y aurait pas eu de rejet. Mais il y avait trop de bactéries, donc ça aurait fait une septicémie. Finalement, ils ont été obligés de l'amputer. Donc voilà. Donc les aventures du SOS Main en Floride, authentique, avec Captain Doug, donc, Et d'ailleurs, qui qu'est-ce qui t'a maintenant n'a plus de poussé main. à te Donc tout spécialiser ça sur est les vrai. mains? En fait, c'est le hasard. Moi, je suis urgentiste de formation, et donc dans le service dans lequel j'exerce, il y a un service SOS Main, et les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que les urgentistes accueillent en particulier les urgences de la main, et les chirurgiens les opèrent. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup d'anecdotes autour de ça. Toutes les catas de la main de deux départements, je les vois. Donc j'ai plein d'horreurs dans mon téléphone portable, hein, des trucs monstrueux. Si on m'arrête, ça fait vraiment Dexter. Hein,
C'est vraiment Bon, ça. alors, Mais je quand me suis fait va... arrêter aussi. Je me suis arrêté Ah par le bon? FBI quand Pourquoi? j'étais là-bas. Parce que quand je faisais mes enquêtes, j'étais allé très naïvement prendre des photos du bâtiment du FBI qui se trouve à côté de Miami, là où d'ailleurs y a un petit aéroport où les gars du 11 septembre ont appris à piloter les avions avant de les crasher. Ce petit aéroport, il est situé à moins d'un kilomètre du bâtiment du FBI. Donc, comme j'étais à Naples, on a dit, bon, ben, on va aller à Miami, on va aller voir ce bâtiment du FBI parce que je vais m'en servir pour le décrire dans l'histoire. J'y vais sans réfléchir, en short à fleurs, avec ma petite chemise et mon appareil photo, avec ma famille dans ma voiture. Hop, c'est parti, on y va. Alors, il se trouve que j'étais copain avec les flics de Naples et heureusement, et que pour mes enquêtes sur place, j'avais copiné avec eux, j'avais leur carte de visite, notamment le boss de Naples, avec moi. Je vais visiter le truc du FBI, je vais à l'adresse en question et pff, rien. Enfin, il y avait un bâtiment, mais aucune marque. Aucune marque distinctive. J'ai appris après qu'en fait, elles avaient toutes été retirées à cause des menaces d'attentat, parce que justement, ils voulaient être discrets. Donc, aucune marque, rien. Un parking, ça ressemblait à rien, à un bâtiment quelconque. Donc, moi, je descends et je commence à prendre gentiment mes photos. Je fais le tour, tout ça, le touriste naïf de base. Et il y a deux colosses en lunettes noires, comme dans les films, les Men in Black, qui sont sortis, qui m'ont chopé direct et qui m'ont entraîné dans le bâtiment et qui m'ont tout sorti. Ils savaient qui j'étais, quand j'avais débarqué. Tout ça par la plaque d'immatriculation, en fait. Pendant que moi, je faisais gentiment mon tour, ils ont vu qu'il y avait un gugus qui prenait des photos. Ils ont filmé la voiture de ma famille. Ils ont pris la plaque d'immatriculation. Avec ça, ils avaient mon identité, puisque le loueur, mon passeport, mes antécédents, ma date de départ, ma date de retour. Et ça, franchement, sincèrement, en 4 minutes, parce que c'est vraiment le temps que j'ai mis, quoi, hein, 4 minutes de photos déjà. Ils avaient un tas d'infos sur moi et je me suis retrouvé. Donc, du coup, j'ai franchi les portiques de sécurité antilégale. Ils m'ont fouillé, ils ont récupéré mes photos. Ils m'ont dit ça non, ça non. Ils m'ont tout effacé. Et ils m'ont dit bon, ben non, voilà, c'est pas possible. Et là, ils me disaient ça. Et là, j'ai sorti les cartes. J'ai dit non, non, mais je suis un gentil français, je suis écrivain, c'est juste. Voilà. Et j'ai sorti les cartes des flics de Naples et c'est eux qui m'ont sorti du truc. Parce que sinon, j'aurais pu passer un moment hein, à expliquer. Pourquoi je prenais le FBI en photo. Voilà. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé. Et moi, j'ai vu l'intérieur du bâtiment du FBI, j'étais Maintenant, ravi. tu vas dans les catacombes, tu vas te faire arrêter par le FBI, tu fais quand même les choses bien pour arriver à alimenter tes romans. Et justement, quel est ton Alors. prochain roman à venir? C'est quoi ton prochain chantier? Si tu peux nous en Alors, parler. j'en parle pas parce que, je parle jamais avant parce que l'arène, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ça va se dérouler, ce que ça va exploiter, il faut que ça reste secret jusqu'à ce que ça sorte. C'est très important parce que à chaque fois, j'exploite quelque chose dans chaque roman, je travaille toujours sur ça, sur l'arène. Dans le premier roman de la trilogie, je travaille sur les profondeurs. Dans le deuxième, je parle de la mort. Dans La Nuit de l'Ogre, il est vraiment question de la médecine légale, des fraternités secrètes en médecine, univers que je connais super bien, parce que voilà, bah, vous le saurez si vous lisez le bouquin. Et donc, parce que les fraternités, ça existe, les fraternités étudiantes, ont un tas de... la mort est très ritualisée en médecine. Donc, il y a toute une enquête qui se déroule là-dedans. Et dans le troisième tome, j'ai utilisé les réseaux sociaux, bien sûr, mais j'ai utilisé un truc aussi qu'on ne connaît absolument pas, qui est le monde du Béhour, qui est le monde du combat médiéval réel hein, qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'affrontent dans des grands combats dans la forêt, dans des festivals, mais ce n'est pas des combats comme vous croyez, ce n'est pas le combat où on s'amuse avec des épées, c'est du combat qui rigole pas, quoi. C'est du combat exactement comme la MMA, c'est un gros fight. Voilà. Donc ça aussi, c'est tout un univers médiéval. Importé à l'époque moderne dans lequel il se passe des trucs incroyables et c'est ce que j'exploite notamment dans L'heure du diable. Donc ces arènes que j'utilise à chaque fois, ça reste secret jusqu'au moment de la sortie. Donc prochaine arène, vous ne saurez pas. Ce sera l'année C'est prochaine. intéressant, donc tu définis d'abord le décor, et c'est le décor qui va définir l'histoire, et l'histoire va définir les personnages. C'est-à-dire tu pars
du lieu pour aller vers le personnage et non pas du personnage pour aller vers le lieu. Il me faut les deux choses. Il me faut un décor, un environnement original dans lequel je puisse développer une histoire qui, en essayant de faire en sorte qu'elle soit nouvelle, où je vais pouvoir emporter le lecteur dans quelque chose qu'il n'a jamais lu auparavant. Et ensuite, il faut creuser énormément les personnages, parce que c'est les personnages et leur humanité et leurs problèmes qui vont permettre de tirer les persos, les lecteurs dans l'histoire. Ce qui nous plaît dans une bonne série télé, c'est qu'on puisse se mettre à la place de la personne qui vit ça. En se disant, mince, il me tombe ça sur la gueule, je fais quoi? Et puis après, on se retourne vers les autres spectateurs à la maison et on discute. On dit, toi, tu l'aurais fait ça? Tu le dénonces, le gars, s'il fait ça? Ou tu le dénonces pas? Tous ces petits dilemmes, toutes ces évolutions, c'est ça qui vont vraiment créer l'adhésion du lecteur et faire qu'on va avoir du plaisir à lire un livre. Donc le suspense psychologique est très important. Mais si on peut combiner le suspense psychologique dans une arène originale, exactement comme tu l'as fait avec les chats qui reproduisent les émotions humaines mais dans une arène qui est jamais vue, qui est celle des chats, ben là tout à coup on se dit mince, c'est incroyable, regarde, et on apprend en même temps plein de choses. Donc c'est très important d'avoir de la distraction en fait, et de la réflexion. Arène, c'est ce qu'on appelle en anglais world building, l'univers dans lequel c'est vont ça. Évoluer les personnages. Bon. L'univers cohérent qu'on va éventuellement modifier un peu, mais pour le garder cohérent. Là, l'heure avance et on va bientôt mettre fin. J'ai posé les deux dernières questions. La première, c'est qu'est-ce qui actuellement t'excite dans le monde du cinéma, du livre ou des séries? Quelle est l'histoire que tu suis actuellement? Moi, il y a j'ai envie de faire découvrir aux gens là qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas vu, allez voir Teen Star. Teen Star, c'est une série extraordinaire qui est passée sous les radars. Cette série, Teen Star, T-I-N-S-T-A-R, Teen Star. Donc, cette série, c'est une enquête incroyable qui se déroule dans un environnement ultra original qui se passe au Canada avec de grands espaces. Regardez-la parce que ça va vous donner un souffle extraordinaire. Je pense que ça doit être sur Amazon. Amazon ou Netflix, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est récupérable. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a deux saisons. Une intrigue terrible, des retournements incroyables. Et surtout, les personnages sont géniaux. Les personnages sont vraiment géniaux. Et cette série, elle est passée sous les radars alors qu'elle est vraiment terrible. Et on le voit. Moi je dis souvent, mais on est à peu près tous d'accord, en 5 minutes on voit si une série elle est top ou pas. Au bout de 5-6 minutes, on va avec les images et ce que les gens se racontent, on sait déjà dans quel genre d'univers on débarque. Là, l'univers de Teen Star, il est incroyable parce qu'on respire et en même temps c'est dark. Le personnage principal, c'est un flic très particulier. J'ai pas envie de vous la dévoiler. Tu l'as bien vendu. Regardez 5 minutes et puis. C'est vraiment une série incroyable. 3 saisons, la 3e va sortir, elle n'est pas encore sortie, mais franchement, 2 saisons incroyables qui ressemblent à rien. Peut-être parce que c'est pas américain. Je peux vous la comparer. Tu as l'air de sous-entendre que c'est canadien. Si, c'est américain. Non, c'est américain, mais ça a été tourné au Canada. Si vous avez aimé, par exemple, cette excellente série des flics qui se passent en... Trou détective. Trou détective, voilà. Si vous avez aimé Trou détective, par exemple, où c'est vraiment beaucoup basé sur les personnages et l'ambiance, tout en ayant un espèce de mystère bien, bien bizarre derrière, voilà, c'est assez proche de ça, l'ambiance. Et très, très bonne série, Teen Star. C'est bon, tu nous l'as vendu. Après, vas-y, continue. Ouais. Franchement, c'est sympa. Après, les livres, il y en a tellement, c'est difficile. Mais bon, je suis plus sur les séries que sur le cinéma. Je trouve que le cinéma a du mal à arriver à la hauteur des bonnes séries. Tout à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'il y a plus de bonnes narrations. Sur 7 heures, tu peux développer des personnages plus complexes que sur 2 heures. 2 heures, tu es obligé de poser très très vite les éléments et puis de régler 2 heures quand c'est pas 1h30, quoi. Mais c'est vrai que les séries, en plus, on dirait que c'est là où il y a les gens qui innovent. Les nouveaux créateurs s'expriment dans les séries. Plus que dans le cinéma où ils sont limités. Quand ils démarrent une série, ça se peut que ça se fasse sur plusieurs saisons, donc ça se peut que leurs personnages
soit un personnage doit avoir encore du jus sur quelque chose qui va correspondre à 10 à 15 heures. Ce qui est quand même une performance Ouais. intéressante. Bien sûr. Il y a Geoffrey van der Linden là, qui dit qu'ils ont parlé de tout sauf des scénarios de jeux vidéo. Alors, évidemment, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des scénarios de jeux vidéo? Parce qu'après, tout le monde saurait qu'on est des fous de jeux vidéo. On adore jouer. À la Ligue de l'Imaginaire, on est des grands joueurs, on est des grands enfants. Voilà, Bernard, moi, Maxime Chatham, Henri Lovenbruck, avec la bande de Nico Takian et les autres qui jouent actuellement une campagne de jeux de rôle dans l'univers des années 20, horrifique, de Lovecraft. Voilà, moi, je suis un joueur invétéré d'un tas de jeux sur table, de jeux de rôle sur table, beaucoup Donjons et Dragons, Star Wars, etc. Et dans les jeux vidéo, je suis un grand joueur de World of Warcraft depuis des années. Donc le jeu vidéo, bien sûr que c'est un endroit pour vivre des expériences. Vous savez, une des expériences les plus dingues que j'ai eues en jeu vidéo, c'était un vieux jeu qui s'appelle Phantasmagoria. C'était un jeu d'horreur où j'ai joué avec ma femme. Et on jouait tous les deux exclusivement quand on était tout seul le soir et on éteignait tout et on se faisait Phantasmagoria et on se foutait des trouilles, mais terrible avec ce jeu. Bien sûr, les jeux vidéo, c'est extra. Et ça peut être une expérience à plusieurs. Par exemple, j'avais beaucoup aimé un jeu auquel a joué Bernard qui est Siberia. Oui, Je crois que tu connais le Sokal, créateur de Benoît Siberia. Sokal, qui est un type génial. Siberia, c'est extraordinaire. Chez Microïd. Voilà, exactement. Si vous ne connaissez pas Siberia, les deux premiers volumes, par exemple, ils sont déjà anciens, c'est fabuleux. Il y a une imagination dedans très proche des livres de Bernard qui est Merci. vraiment chouette, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Donc le jeu Est-ce que vidéo, c'est un moyen je de t'ai s'évader. jamais, on n'a jamais parlé, est-ce que tu as déjà essayé l'Oculus, le masque Oculus? Non, j'arrive pas parce que moi j'ai des vertiges paroxystiques, c'est trop puissant pour moi l'Oculus. Je supporte pas, il y a trop de mouvements. Ça va très bien sur certains jeux, mais quand il y a trop de mouvements, je peux pas. L'Oculus, vraiment, c'est le max. Pour moi, c'est En trop puissant. immersion, bah, Et oui, toi? y a un jeu qui s'appelle Echoes qui correspond exactement à ce que tu vis quand tu lis la stratégie Ender. Je ne sais pas si tu as lu la stratégie Ah Ender de oui. Orson Scott Card. Et à un moment, les gens se Bien projettent et sûr. ils volent dans des sortes. C'est comme du rugby, mais dans une caverne en trois dimensions où tu voles. Et ils ont reproduit ça et c'est vraiment. C'est très impressionnant. Alors tu te réunis avec 4 ou 5 copains et tu vas lutter contre 4 ou 5 personnes qui sont en Australie ou en Autriche. Et à 4 ou 5, à 5 contre 5, il faut arriver à mettre comme un ballon de rugby dans le camp en face. Et ça m'a l'air le jeu du futur. Maintenant, c'est vrai que tu as l'air un peu couillon de l'extérieur quand tu te vois avec le masque en train de vivre des choses. Et au début, je renversais les meubles. C'est-à-dire parce que tu es vraiment en immersion totale. Et je comprends que ce soit troublant. Mais tu as un problème visuel ou c'est juste psychologique? Non, 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 c'est uniquement si le mouvement rotatoire est trop fort, ça va déclencher chez moi des Ah vertiges oui. paroxystiques. Donc, il faut que les mouvements soient modérés. Donc, par exemple, je ne peux pas jouer à Black Ops avec un Oculus. C'est impossible, ça va trop vite. Mais quelque chose qui va plus lentement, je pourrais. Mais pour revenir à l'Oculus, je pense vraiment que ces jeux vidéo, c'est plus que l'avenir. C'est vraiment, on va s'en servir de plus en plus. À l'heure actuelle, on se sert de ces techniques-là en anesthésie Ah de complément. C'est-à-dire que pour diminuer l'utilisation des analgésiques et des morphiniques notamment, on va immerger par exemple des gens qui ont subi des brûlures dans des univers froids. On va alors qu'on les soigne pour des grands brûlés par exemple, on va leur mettre un Oculus et leur passer des mondes qui s'appellent Snowball ou Ice World qui existent et qui ont été définis pour ça, pour excellent. donner, tromper le cerveau en lui donnant l'illusion de sensation de froid, de fraîcheur. Donc ils interagissent avec l'environnement, il faut attraper de la neige, voilà. Et ces environnements apaisants, ils sont utilisés en thérapeutique et ils permettent notamment de diminuer considérablement l'usage des morphiniques qui vont les shooter complètement et en fait les priver d'un tas de choses. Parce que, si on est trop shooté, on ne peut plus du tout profiter du monde extérieur. Voilà, donc c'est une des utilisations qu'on fait. Il y a des études dessus et ça marche C'est extrêmement toujours bien. passionnant J'en toujours parle dans le passionnant de premier discuter bouquin. avec toi. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je suis très impressionné.
ça montre que le pouvoir de la pensée peut pallier aux produits chimiques. Et c'est sûr qu'on pourra faire les opérations sous oui, hypnose, bien sûr. Il y aura une sacrée évolution. Ils font déjà sous acupuncture en Chine. Exactement, donc. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, là, ça fait 1h13 qu'on parle, on va essayer de garder un petit appétit. Déjà, je voudrais rappeler le livre de Patrick que vous pouvez trouver en librairie qui est sorti il y a quelques mois, non ? En septembre. Septembre. Et que je vous recommande parce que Patrick, c'est quand même un orfèvre du suspense. Et il a un personnage qui fout vraiment les chocottes, son personnage du chien. Voilà, si vous voulez penser à autre chose que le Covid, je vous le conseille. Et ainsi que toute l'œuvre, son premier livre, c'était Monster. Et je me rappelle, quand j'étais chez Albin Michel, il nous avait dit, on vient de trouver une pépite, un auteur qui est très prometteur. Et c'était Monster, ton premier. Hein. Il y avait L'œil de Cain. De Cain, c'était mon tout premier. Qui a été acheté encore une fois là, qui devrait un jour être adapté. Donc voilà. Et il y a eu Monster en deuxième qui a eu le prix des maisons de la presse. C'est celui-là qui est le plus connu. L'œil de Cain, j'avais oublié. Mais enfin, juste la dernière question avant qu'on se quitte. Tu as mangé quoi ce soir ? Je sais pas, c'est une surprise. Je sais. Là, c'est Sam qui a cuisiné, alors je vais voir. J'en sais rien. Ça fait pas. C'est ça l'art du suspense. Que vais-je manger ce soir ? Mais de toute façon, ce sera bon, forcément. Il faut se faire plaisir. On vous l'a dit. Non, non, moi si. Enfin, je sais, mais si je cuisine, c'est beaucoup trop calorique. Moi, j'aime bien les plats simples. Je suis pas du tout du style à mettre. Trois petits trucs là dans une assiette et c'est joli, il y a trois feuilles. Non, moi, c'est un gratin dauphinois et une entrecôte. Voilà, l'hiver arrive, ça, c'est moi, ça. C'est ce genre de plats qui vont être nécessaires. Bon, on va se quitter là. Juste le jeudi prochain, le prochain invité sera un autre membre de la Ligue de l'Imaginaire, puisque c'est Mathias Maldieu, qui est aussi musicien dans le groupe Dionysos et qui a sorti un film sur la sirène à Paris. C'est intéressant de montrer que derrière les écrivains, il y a des gens qui font d'autres choses, qui parlent d'autres choses. Donc là, derrière Patrick, qui est un écrivain de polar, il y a aussi un médecin urgentiste qui gère actuellement la crise du Covid et qui, accessoirement, fait des opérations sur les mains, même s'il n'arrive pas à récupérer les mains mangées par les crocodiles. Mais ça, c'est un détail que nous verrons développer dans l'un de ses prochains romans. Et sinon, je remercie tous les gens qui étaient là et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 19h, avec Mathias Maldieu pour un nouvel épisode, l'épisode 4 du Cercle des Fourmis. Merci à toi, Patrick. Merci Bernard et merci à tous. Salut.